dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis Qui es-tu? Moi, je suis la distraction avec l'amour. Tu veux un bouquet de fleurs? Oui. J'ai oublié. Je veux un bouquet de fleurs. La distraction et l'amour. L'amour maléfique. Ok, on va passer donc maintenant aux interpellations. Ok, avertissement. On commence avec toi, avec ta liste. Avertissement, l'esprit d'avertissement et le temps et les esprits de toutes parts. Ok. Avancez tous là qui vont entendre leur nom. Ils sont 53. Interpellés par l'esprit d'avertissement et les esprits de toutes parts. Ayons Clarisse, Edinga Christelle, Kamgen Samuel, Madame Bella Rose, Lomgan Gisèle, Kamga Léopold, Aboya Didier, Yonche Nagen, Enga Otu Grégoire, Aga Blessing, Mfumvoué Paulin, Edung Marie Arlette, Mbeza Aline, Ekore Innocent, Esama Dave, Okwa Stéphane, Djongolo Jaurès, Bombe Evan Yanel, Boum Aristide, Tapi Bodos Edouard, Poka Anne Emma, Abomo Esama Victoire, Erani, Bella Urbain, Apo Onana, Fidelis Kengafak, Le Solokoto Jean-Marc, Alega Vital, Ekoso Emmanuel, Mbojiri, Jonathan, Bineli Nke, Jean-Daniel, Song Eric, Mama Yama, Senying Gilbert, Amogo Agnès, Ngwese Kevin, Mbounou Eliane, Wokam Mokto, Michel, Ashi Mohamed, Sam Eyon Ako, Siaji Abraham, Mossi Valère Odniel, et Fong Anne, Sama Messi, Yolande, Tatan Robert, Moussomon Adège, Ngwese Marie Yvonne, Yumbi Stéphane, Tiofo Mélène, Madame Ambe Fumu Monique, Madame Wange Stéphanie, Djonglo Aka Ludovic, et tous les saisis. Voilà. Ceux qui sont interpellés. Hein? Là-bas, c'est qui? Hein? Toi, c'est qui? C'est nous, non? Vous qui? Le temps et l'avertissement. Ok. Les voilà, ce que vous avez interpellé. Les voilà, les voilà, les voilà, tu les vois. De tu veux les avertir par rapport à quoi que, hein? De manière générale. Oui. Les gens s'y sont
fait en deux groupes. Oui. Et il y a un groupe, tu vois, non? Oui. Qui, ici, de tout ce qui se dit dans la maison-ci, tu vois, non? Ils oui. n'ont jamais, à 100%, accepté ce qui est dit dans la maison-ci. Comme tu les vois là. Oui. Ça, c'est le premier groupe. Oui. Le deuxième groupe est composé de tous ceux-là qui voient, acceptent, tu vois, oui. mais ne mettent pas à 100% en pratique ce que le type d'en haut la demande. Ok, c'est parler rapidement, c'est parler rapidement. Celui-là, qui a les mains croisées là, il est dans quel groupe? Ils sont en désordre. Hein? C'est ce que tu vas faire, ils vont passer là. Ceux qui ne reçoivent rien, tu les mets à droite. Ceux qui mettent en pratique à moitié, ceux qui enseignent, tu les mets à gauche. Oh, tu suis ce que j'ai dit, non? Donc, tu dis à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ok. Passez. On commence par Samuel est qui est devant là? Par ici. Oui. Passe. Il va où? Ici dedans. Hein? Ici dedans. Elle est saisie. Ici dedans. On commence ici. Samuel, c'est pas tout. Reste là où tu étais. On commence ici. Oui. Le chef, si. Celui-ci, n'est-ce pas? Son problème, il n'est pas encore fixé comme son leader, si on peut dire ainsi. Les autres là, descendez. On va vous parler. Descendez d'abord. Tu vois, non? Vite! Donc, du fait qu'il ne soit pas encore mature, il doit donc éviter de s'entourer de certains sujets inutiles, parce que ce sont des sujets de distraction. Il y a des sujets qui, normalement, oui, viennent avec, où il doit être concentré, il n'est plus concentré à ce niveau parce qu'il est distrait. Voilà son véritable problème. La distraction oui. est autour de lui et derrière la distraction, il y a son ennemi juré qui est la colère. Parce qu'on met les deux là ensemble pour l'éprouver à chaque fois. C'est par là qu'on passe. Donc, il apprend à se fixer quand le temps... Qu'il mûrisse. Oui, il apprend à se fixer. Quand il sera mûr, donc il pourra donc... Et qu'il sache que... Qu'il sache qu'il y a les gens qui l'entourent, qui sont ennemis, comme on dit, enemy of progress. Tu vois un peu, non? Et c'est eux qui sont, ils se font eux-mêmes, proprement dit, ces pierres d'achoppement. Et lui n'a jamais compris ça. Ces gens-là se constituent en pierres d'achoppement oui. pour lui. Bien sûr. On sait que son ennemi, c'est la colère. Et dès qu'il fait comme ça, on sait qu'il va sortir des voies de Dieu. Eux, ils sont à l'aise. Il les reconnaît, non? On continue. Oui. Les saisis. Nous commençons par ici. Commence là où tu es là. Là où vous êtes là. Oh, le corps ici. Oui. Oui. Ici, il a un problème majeur. La colère. Il marche, il fonctionne avec l'autre là. Quand il peut même penser qu'il a déjà mis l'autre là de côté. Et il est aussi très rancunier. Très, très rancunier. C'est pour ça que j'ai interpellé les saisies. C'est à cause du corps là que j'ai interpellé les saisies. Et là,
même scénario et elle est à un moment donné, elle ne se contrôle pas, elle est dispersée et quand ça vient, ça sort comme ça sort. C'est après qu'elle va prendre conscience que qu'est-ce qui se passe. La colère. Je suis même oh oui. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais? Mm-hmm. Elle a les dégagements. Pas possible. Inattendu. Inattendu. Son type dit. À un moment donné, elle aime se faire écouter. Et quand tu ne l'écoutes pas, ça pose un autre problème. C'est où elle prend un autre chemin. Voilà son véritable problème. Elle? Alors là, elle a la taille ici. Alors qu'elle n'est pas d'abord grande. J'ai parlé comme ça, je n'ai pas dit comme ça, j'ai dit comme ça. Alors qu'elle n'est pas un pas d'abord grande. On continue. Mettez-vous debout, les autres là. On commence par ici. Oui. Tu sais que toi, tu as un véritable problème. Hein? C'est que quand tu es ici là, n'est-ce pas? Tu es chrétienne. Tu sais ça, non? Quand tu es hors d'ici avec tes camarades, certains ne savent pas que tu es chrétien, tu sais ça, non? À un moment donné, tu évites même qu'on aborde. Pour ceux-là qui connaissent ce que tu es, ce que tu fais, tu préfères prendre un autre virage pour qu'on ne dise pas que voilà ce qui se passe. Celle-là est comme ça. Elle est hypocrite, donc elle fonctionne dans l'hypocrisie. Mm-hmm. C'est même ça le mot indiqué. Oui, elle est hypocrite. Mm-hmm. Et tu sais que les gens de chez eux, là, c'est leur propre nom. L'homme Bassa te montre les dents jaunes alors que c'est noir. C'est comme ça qu'ils sont. Son véritable problème, c'est ça. Tu sais en quel temps nous sommes, non? Hein? Papa, je sais. Tu dis que tu sais en quel temps nous sommes? Oui. Nous sommes en quel temps? Ce n'est pas le moment de se distraire. C'est le moment de se consacrer au Seigneur pour amener. De se prononcer pour Jésus. Tu ne veux pas que les gens soient sauvés? Si. Et pourquoi tu caches ton identité? Parce que les cons, c'est que je suis chrétienne. Généralement, qu'il faut me prendre l'exemple sur quelqu'un, on dit que pardon, 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 pas comme. Mais il y a, depuis quand même l'année passée, je vais avouer un phénomène que je vis déjà. La plupart de mes camarades voient les vidéos sur le net. Oui. Et quand ils viennent me demander que c'est quoi comme ça, là, j'ai souvent du mal à réellement expliquer. Donc je contourne. Mais c'est de ça qu'on parle. J'ai vraiment du mal. Soit j'ai honte. Bon, c'est, j'arrive pas souvent à gérer la cadence là. Mais tu es donc chrétienne. Ils sont nombreux. Ah, c'est ça que ça dit là. Mais quand c'est peut-être si c'est pour faire quelque chose, déjà sanctionner un truc, il n'y a pas de souci. Mais. Ah si bon. Je ne sais pas vraiment expliquer ça. Et il y a autre chose. L'autre jour, c'était quoi? Soit dimanche passé là. On a interpellé ta petite soeur là. Mm-hmm. On m'a appelé. On t'a appelé. Mm-hmm. Uh-huh. Tu as ton mougou? Je vais hein? pas. Tu sais que c'est interdit, non? Pasteur, je ne sais même pas de quoi il s'agit réellement. Tu ne sais pas quoi? Que je vis cette situation depuis mes parents sont au courant. De quoi? Je ne sais pas comment appeler ça. Ce qui a été recensé, c'est toi-même qui a provoqué ça. Comment? Tu lui as demandé l'argent. N'est jamais. S'il est là, il m'a écrit. Il m'a dit que tu lui as demandé l'argent. C'est impossible. Parce que je souhaitais qu'il lui ait mis. Même comme il n'a pas envoyé, il avait déjà l'intention d'envoyer. C'est quelque chose qui est depuis. Est-ce que vous avez caché? Bon. Arrêtez l'hypocrisie. Il faut vraiment qu'on mette les choses au clair. Je souhaiterais vraiment qu'il soit là. Vraiment, sincèrement.
qu'est-ce qui se passe? Il y a de cela trois semaines précisément, ou quatre même déjà. Tonton Sylvestre m'a appelé sur mon numéro. Comment tu vas? Je ne te vois plus. Parce que la semaine, là, je crois que j'avais fait deux semaines, on faisait cours le dimanche. Il dit que je vais bien, il n'y a pas de feu. Je ne te vois pas, je ne te vois plus. Il n'y a pas de feu, non. Je ne te vois pas sur WhatsApp. Ton numéro MTN ne passe pas. Je lui dis que j'ai un problème avec mon téléphone. Mon téléphone était gâté à ce temps-là. Il dit que tu t'y trop. Tu ne perds le temps. Justement, Eman était à côté. Il dit que attends, je te passe ton ami. Il dit quel ami? Il dit Eman. Il dit que allô, petite soeur. Il dit oui, bonjour. C'est eux qui m'appellent. Attention, il faut qu'on retienne ça. C'est eux. Ouais. Il faut que j'explique, non. Il dit que c'est comment? C'est là comme entre temps, je lui dis ça que je suis foiré. Je lui ai rien demandé, pasteur, s'il pouvait être là. Il me dit, c'est lui qui me dit que. Quand tu dis que tu es foiré, c'est quoi? C'est quoi? C'est une demande. Tu veux prendre les gens comme qui? Non, c'est leur habitude dans la maison aussi. Okay. Ça, c'est quoi ça? Donc, tu nous perds même le temps là comme ça pour rien. Est-ce que c'est quelque chose qui date d'aujourd'hui? Ça date d'aujourd'hui. Okay. Il m'a écrit. Il m'a dit tout ce que tu racontes là. Tu lui as demandé l'argent? Je ne lui ai pas demandé l'argent. Tu insistes? Je ne demande même pas qu'il l'envoie. Vous êtes ensemble, tu... non? C'est quoi ça? Comment? Parce que même avec Olivia, quelque chose avec Olivia, si c'est ma grande soeur, ils ont dit, considère qu'ils sont mes frères. Même avec Olivia, quand elle me dit, comment tu vas là-bas, je dis qu'après le forêt, ça va. Je lui dis souvent, même avec Olivia. Donc, tu as déjà ta pichenette. Et qui est. De commander. En tout cas. À part le forage, ça va. Vous voulez prendre les gens comme les écervelés. Je m'en repense. À part le forage, ça va. Sincèrement, pasteur, c'était pas dans cette optique-là, en fait. Quand j'ai besoin de. Et tu as pris l'exemple avec elle maintenant là. Donc c'est une façon. Tu as cette habitude là. C'est une sale habitude. Je m'en repens. C'est une sale habitude. Il faut arrêter avec ça. Passons à la suivante. Allons. Oui. Toi, tu connais ton problème, non? Tu sais de quoi on parle tous ces derniers temps, n'est-ce pas? La distraction des jeunes. Et tu sais ce qui est devant ta porte tous ces derniers temps, n'est-ce pas? Tu sais, non? Ce qui est devant ta porte tous ces derniers temps. Et à un collègue, là, le lien pour le mal. Ce qui est devant ta porte tous ces derniers temps et tu sais ce qui se passe. Donc fais gaffe. Il y a cela quelque temps, on a mis l'une d'entre vous au dernier banc. Tu risques d'être la prochaine personne parce que c'est ce qui est en train de se passer. Encore. Mm-hmm. Tu comprends encore? On ne tombe pas dans un même piège trois fois. Tu sais ça, non? Tu ne parles pas, tu ne perds le temps. J'ai compris, papa. Continue. Avec l'autre. Oui. Toi, tu sais que ce n'est pas encore ça, non? Tu sais que ce n'est pas encore ça. Même pas à 50%, ce n'est pas encore ça. Mm-hmm. Ce que le type d'en haut là attend, c'est comme ton père avait dit, tu descends, tu te couches à terre. Ce n'est pas encore ça. Parce que par moments, ça fait comme si, quand même tu sais, ça fait comme le rêve. Ça ressurgit en surface. Tu auras bel et bien envoyé ce que vous appelez le que, mais ce n'est pas encore ça, parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas encore la vérité au fond de toi-même. Quand il y aura la vérité au fond de toi-même, ça va partir seul. Toi-même, tu sais que tu as beaucoup de dettes, non? Beaucoup de? Dettes.
Quelle qualité? Les dettes de repentance. Ah, ok. Je pense avoir fait toutes mes repentances. Tu quoi? Tu penses que quoi? Je pense avoir fait vraiment table rase. J'ai fait toutes mes repentances. Au fil. Et cependant, tu as des dettes. Je ne sais pas. Comment ça peut se justifier? Et les dettes là sont beaucoup. Hein. Elle a beaucoup de dettes. On continue. Oui. La main. Toi-même, tu connais ton éternel problème, non? Elle veut la retraite anticipée. Tu connais ton éternel problème, non? Que tu passes ton temps à étouffer les collègues dans le corps, là. Il y a les journées où toi-même, tu les étouffes comme ça. Et au fond, quand ça passe, tu commences à glorifier. Je ne sais pas qui tu glorifies. Ou c'est toi-même que tu glorifies. Je ne sais pas. Parce que normalement, quand ça passe, elle se dit glorifier Dieu, le Père d'en haut. Merci de m'avoir épargné. Oui. Or, c'est elle-même qu'elle glorifie. Elle glorifie. Et elle oublie que par moment, quand elle rentre avec eux, les mêmes gens ancrent sur son enfant et le reste fait là-bas. Ça fait maintenant les bobos. À la maison? Oui. Tu vois, non. Et c'est elle qui va se fâcher que l'enfant ait têtu. L'enfant, sans savoir que c'est elle qui lui a communiqué les démons là. Tu as compris alors. Que l'enfant vole, l'enfant fait ceci. Alors c'est elle qui lui a donné les démons là. Tu as compris. Ah. Vous êtes même comment, non? Depuis qu'on vous interpelle dans cette histoire, que c'est arrivé comme c'est arrivé. Laissez-vous faire. Il n'y a rien. Si vous voulez renoncer, vous allez seulement rétrograder. Il faut seulement quitter la foi. Même si en quittant, ta vie va ressembler à quoi? Ça va ressembler à quoi? Rencontrer ceux qui sont partis avec ça. Ils ressemblent à quoi? Ils ressemblent à quoi? Ils sont quoi? Ok. Les gens, depuis, c'est vraiment l'éternel recommencement. Depuis, on vous interpelle. Laissez-vous faire. C'est arrivé comme ça. Est-ce que c'est nous qui décidons ce que Dieu doit faire de nos vies? Toi, tu vas comprendre quand? Ok. Ah, continue. Voilà. Vous aussi, je parle une fois. Vous êtes deux comme ça, n'est-ce pas? Voilà l'autre qui te tient le micro. Voilà. Vous-même, vous savez que vous ne reflétez pas ce que vous devez refléter ici, dehors, non? Vous savez ça, non? Hein? À l'école où vous êtes, vous savez que vous êtes le dernier exemple qu'on puisse prendre, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Faites donc attention. Aucun de vos parents... On te parle aussi, hein? Aucun de vos parents vous ne va jumelles, porter votre fardeau. Comme vous êtes déjà engagé là, c'est comme ça que vous devez être aussi engagé là-bas. Il faut qu'on sache. Et vous savez ça. Donc faites gaffe. Continue. Tu pleures avant le temps. Oui. Toi, je m'adresse à toi. Tu sais ce qui se passe, non? Tu n'as pas encore été libéré. Tu sais de quoi je parle, non? Tu sais que tu n'as pas encore été libéré vis-à-vis de certaines personnes et tu le sais. Le Père d'en haut là ne partage pas son vase,
Il est préférable pour toi de te libérer honnêtement. Tu as suivi comment on a dit tout à l'heure, ton camarade là est hypocrite. Pour toi, ce n'est pas le cas. Hein. Pour toi, c'est que tu es... ta fille, c'est quelle qualité? Ta fille, c'est le genre que... Quand ça ne va pas, elle est prête même à t'attraper avec les mains pour te taper. Mmh. Pour te bastonner. Elle a un cœur chaud. Non, pour l'autre là, elle brûle. Pour l'autre là, très chaud. Elle ne regarde pas, que ce soit même dans son lieu de service. Quand ça ne va pas, elle ne connaît pas que tu es un homme. Même si ça sera toi qui viendras la caméra. Hein, c'est toi le pasteur. Hein, papa Kalem, non? Oui. Ok, attends un peu. Hein. Je finis d'abord avec la personne, si tu comprends. Attends-moi à l'église. Quand ça va se calmer, que elle aura fait ce qu'elle avait à faire, qu'elle va revenir en elle-même, que bon, qu'est-ce que tu disais? Ok. Oui. C'est comme ça, ma fille? Hein? C'est chrétien, ça? La bouche. Quand on dit tiens la langue en bride, tiens ta langue en bride. Tiens. Dans le tout, sinon... Il est préférable que les uns et les autres qui savent qu'ils ont des choses dans la poitrine, ils se libèrent, parce que nous sommes à une période où le Père là va solliciter, travailler avec les gens qui sont des vases que lui peut utiliser. Mais si tu sais que tu n'es pas vrai. L'esprit là s'appelle comment? L'esprit là s'appelle comment? Je pose la question à celle. Toi, donne-lui le micro. L'esprit là qui vous parle là s'appelle comment? Avertissement. Hein? Avertissement. Accompagné de qui? Le temps. Vous avez tous compris? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous parle? L'avertissement. Quand on avertit, c'est pour que la personne fasse quoi? Pour que la personne se ressaisisse et change. Ok, on continue. Tu as compris, non? Voilà. On continue. Le problème de ta fille, s'il n'est jamais parti. Lequel? Elle n'est pas camerounaise. Mais cependant... Tu veux que je t'appelle comment, Ngwano? Ou bien Bella? Donne le nom. Là où elle est là, non? Elle a une peur qui n'a pas son nom. Celle que tu vois. Concernant quoi? Tout. Dès qu'on parle là, si c'est dans son lieu de service, dès qu'on dit cache-né, elle part se placer quelque part. Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Et fasse ça dans leur tête. Ok. Oui, c'est la peur. Hein. Parce qu'elle sait que on va faire comment? Ça va se passer comment? On connaît déjà un peu sa position. Et si on vient insister sur elle, là, elle va faire comment? Ma fille. Quelque chose. Papa, je sais que la scène là s'est produite la première fois qu'une équipe est arrivée au bureau. Attends, tu nous perds le temps, non? Tu as besoin d'expliquer? Tu sais quelque chose? Oui, papa. Oui ou non? Oui. Alors? On continue. Au suivant. Au suivant, là. C'est toi. Voir. On veut le voir. Vraiment. Il veut te taper, maman. Oui. C'est son frère qui va taper. Ce n'est pas moi. Oui. Tu sais pourquoi on t'interpelle aujourd'hui, non? Toi-même, tu sais que ta poitrine est gonflée là-bas, non? Dedans. Tu sais ça, non? Tu sais que ta poitrine est gonflée, oui ou non? Est-ce que ça s'ignore? Vous voyez le nom? Regardez. Ça passe... Où ça casse, un collègue. Oui. Ngwa,
Le corps qui est derrière ici, n'est-ce pas? Oui. C'était moi qui parlais dans le corps ici. Quand j'ai interpellé l'enfant ici. Quand? Il y a un bon moment que j'étais passé ici. L'avertissement? Oui. J'ai interpellé le corps ici. Lui disant quoi? Il n'était même pas parmi les corps ici. Il était là-bas. Oui. On est parti le chercher. Quand il avait des gamins, on est parti le chercher. On est venu avec lui. Ah. Depuis le jour là, l'enfant a une rancune contre le corps qui est derrière. Ok. Ok. Il ne se parle pas. Ok. Il ne se parle pas. Ok. Ils ne se parlent pas, ni même bonjour, ils ne se disent pas, comme tu les vois là. Ok. Ils entrent, ils sortent. Si celui-ci est là, que celui-ci l'autre arrive, celui-ci va sortir. L'autre là va rester. Si celui-ci arrive... Ils si n'est pas resté ensemble. Non. Si celui-là parlait, il arrête de parler. Il ne parle plus. Non, il faut seulement que ceux-là qui disent que c'est des montages puissent comprendre. Puisqu'on fait les montages, on fait les répétitions ensemble, non? Voilà donc une équipe qui ne s'entraîne jamais. Le coéquipier, il n'aime pas se voir. Ok. Ils sont nombreux ici dedans. Hein? Ils sont nombreux ici dedans comme ça. Comme tu les vois là. Ok. C'est pour ça que j'ai appelé tous les corps qui nous portent à la fin. Parce que le linge sale, qu'on avait dit que le linge sale doit se laver en famille, là. Et il y a un linge sale là qu'on a trempé comme ça, mettre sur la corde de sang. Sans laver. Le même linge là est toujours sale. Ce n'est jamais propre. Donc il sache ça. Et il a ses humeurs là avec le père d'en haut. C'est lui qui doit dire au père d'en haut ce qu'il veut, comme il pense. Or le père d'en haut, personne ne lui donne des ordres. Des ordres. C'est ça son véritable problème. Son véritable problème, c'est la hauteur. Personne ne doit marcher sur sa tête. C'est lui qui doit marcher sur les têtes des autres. Et donne ta tête également, je marche dessus. Donc le père d'en haut. Parce qu'une fois qu'il va se rabaisser, il va lui-même voir sa condition. Et il va prendre la position qui lui sied, où il est là. Que Dieu t'aide, mon fils. Même comme je suis ta bête noire. La colère que tu déverses sur moi, là, c'est sur Dieu que tu déverses ça. Hein? Colère, pasteur. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Je suis juste un instrument. Hein? Disposé pour Dieu. Donc quand toi, tu te fâches contre ce qui t'arrive, ou contre même les enseignements, ou les directives, vous dites que voilà. Caleb Guantanamo, vous quoi, au juste? Hein? Ce que je dis là, ça parle par ta bouche. Hein? Ce n'est pas que je suis en train d'imaginer. Ça parle par ta bouche. Hein? Moi, tu comprends? Hein? Moi, j'étais avant. Non! Ok, tu parles avant de quoi? Ok. Tu es en deuxième mi-temps, ça fait combien de temps? Le jour qu'il rappelait là, que l'esprit s'y rappelait là, tu avais vomi tout ça là ici.
quand tu es venu. Tu sais quoi? Tu sais ce qui se passe avec tes enfants si. Ce qui se passe, c'est que ils oublient que tu es deux. Deux, ça veut dire quoi? Tu es Monsieur Caleb et le pasteur Caleb. Tu as compris alors. Ils oublient que le pasteur Caleb connaît tout le monde. Tu vois un peu, non? Et personne ne peut le tromper. Même au travers de ton visage, il lit tout ce qui est dedans, tout ce qui sort du cœur. Même seulement le regard, il définit ton regard et ça tombe à 99%. Mais le pasteur Caleb, quand tu vas, monsieur Caleb, quand tu vas lui dire que ouais, pasteur, il y a deux, je veux profiter pour aller évangéliser les gens. Il va te dire pas. Mais le pasteur Caleb connaît pourquoi tu pars. Parce que tu veux défendre ton moi. C'est ça, non? C'est ça, non? Monsieur le pasteur Caleb. Okay. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis